wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I avec Romain du coup, puisqu'on part à Saumur aujourd'hui. Là on est en route, les chevaux sont déjà là-bas normalement. Ils sont arrivés, ouais. Ils sont arrivés, voilà, puisque les parents de Romain sont partis avec le camion ce matin, tout à l'heure, aujourd'hui, voilà. Du coup ça va être stage fédéral cette semaine pour Romain et ses chevaux. D'ailleurs t'as pris qui? J'ai juste une étoile et quater. Ok, donc les deux chevaux de tête en gros pour l'instant, ouais c'est ça. Après hein. On a ramené trois chevaux pour les préparer pour mon père. Histoire d'occuper le temps un petit peu. Donc voilà, on va vous emmener un petit peu avec nous. C'est la première fois que je vais tourner une immersion un petit peu en, bah, c'est sûr, même hors concours comme ça, vraiment en stage. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer aussi comment se fait le travail d'hiver, comment intervient le staff fédéral dans tout ça. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir sur les réseaux. Et du coup bah, je suis là pour y contribuer. On se retrouve plus tard quand on sera arrivé. Bon, on est bien arrivé. Je vais vous montrer un petit peu comment sont installés les chevaux pour que vous arriviez à vous repérer tout au long de la vidéo. Mais on va commencer par ça, parce qu'il s'agit en fait d'une petite sellerie. Hop, qu'on partage évidemment avec les autres cavaliers présents, mais on n'est pas nombreux donc ça va. Et ici ça va être notre coin, donc on a installé les filets, les selles ici, voilà, les couvreurs, etc. Donc ça c'est vraiment mis à disposition. Quand on arrive c'est tout vide, mais c'est plutôt pratique parce qu'on a de quoi ici aussi avoir un petit peu d'eau, etc. Donc c'est pas mal. Hop, juste ici on va pouvoir retrouver la douche. Et ici le loulou. Donc on commence avec Dame une étoile de la serre que vous connaissez sûrement puisque c'est avec elle que j'ai déjà fait deux immersions sur ma chaîne, donc à savoir le 4 étoiles de Jardy et le 4 étoiles d'Aix-la-Chapelle. Oui mes mères, voilà. Donc c'est la jument de tête de Romain. Ici on va retrouver Quaterstein que vous ne connaissez pas encore, qu'on appelle Quater. Bonhomme qui est tout nouveau, qui a 7 ans, enfin je crois qu'il prend 8 cette année, voilà, avec qui ben, Romain va évoluer aussi cette année. Ici on va retrouver Oracle de Champenotte, petit cœur, qui est principalement le cheval d'Eddy, donc le père de Romain. Juste à côté qui fait dodo, on va avoir Monsieur Flash Dream, voilà, qui est aussi principalement un des chevaux d'Eddy, donc le père de Romain. Et ici on va retrouver petit Lulu. Voilà un petit peu comme ça, vous voyez comment on est installé et comment sont les chevaux, etc. Bon là il est 13h30 passé, quelque chose comme ça. Romain va commencer à préparer son premier cheval du jour, donc Quaterstein, puisqu'il a cours à 14h dans le manège qui se trouve juste ici derrière. Donc c'est parti, je passe la caméra dans l'autre sens et je vous montre tout ça. Manège que je vous disais qui était là, la fenêtre qui se trouve d'ailleurs juste ici.
Et on a Romain qui va commencer sa détente avec Quater tout seul. Et après, on va avoir un coach fédéral. Donc là, ça va être Jean-Pierre Blanco qui va te donner un cours. Bah oui. On n'a pas de valou comme ça. Et Maréva, elle a pas eu sa carotte. Hein. Bon, c'en est fini comme vous l'avez vu pour Quater, qui a quand même pas mal travaillé. Je vous ai pas mis tout l'ensemble du cours parce que sinon ça aurait été bien trop long, évidemment. Là, on se retrouve sur la carrière d'obstacles, enfin une des carrières d'obstacles qu'il y a ici. Et Romain va juste monter une étoile librement. Il a pas cours avec elle aujourd'hui parce que ça a pas pu se caler comme il le fallait, puisqu'il y a également d'autres cavaliers, que chacun a ses horaires avec chaque cheval. Donc voilà, là il va la monter tranquillou. C'est la première monte qu'il fait depuis que la jument est là. C'est pour ça qu'il est en releveur. C'est toujours sa première monte qui fait en releveur, et après progressivement il passe sur d'autres morts. Mais c'est une jument, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous devez le savoir, qui est un petit peu chaude et particulière. Donc vaut mieux mettre un mort un peu plus fort et monter doucement plutôt qu'un mort simple et lui péter la gueule, quoi. Voilà un petit peu l'idée. Donc je vous montre les images et vous repassez derrière la caméra. I might wake up at noon, then maybe it's news. Yeah, I'ma just do what I want. I don't need no approval, I'ma just do whatever I feel like. Going out all night with my friends, spend the whole day just laying in bed. Please don't mess with my mood, don't say what to do. Yeah, I'ma just do what I want. I'm so goddamn tired of people tryna tell me how to live my life. I'm getting so sick of people tryna tell me what's wrong or right. Losing my patience, I don't care about what you think, no. I'm so goddamn tired of people tryna tell me how to live my life. About
about your opinion, none of your business what I be doing, no. Why do you even bother making up problems? I don't got time for that, no. Could you please just back away? Leave me alone, get out of my face. Don't care about your opinion, none of your business what I be doing, no. I'm so goddamn tired of people tryna tell me how to live my life. I'm getting so sick of people tryna tell me what's wrong or right. Losing my patience, I don't care about what you think, no. I'm so goddamn tired of people tryna tell me how to live my life. Tu veux quoi? Une petite carotte? Regarde-le! Bon, ça y est, fin de journée. Il fait encore jour, c'est cool. Il est 18h peine ou à peu près passé. Mission, nourrir les loulous, recouvrir ceux qui ont encore que leur séchante, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont travaillé cet après-midi, dont une étoile et Flash que je vous ai pas montré parce que Eddie n'a pas monté au même endroit que Romain. Et puis voilà, après on aura terminé pour cette première journée. Allez, à table. Vite, 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 à manger, vite. Oula. Nourris-moi. Monsieur Flash. Allez, ça y est, fin de journée, vraiment cette fois. On remonte et je vous dis à demain.